d'accueillir monsieur Istvan Szabo. Entre parenthèses, un Hongrois et un Tchèque sur ce plateau se parlent en français, mesdames, messieurs. Je crois que ne serait-ce que pour ça, il faut le faire. Alors, je voulais dire qu'on se connaît plus que 40 années, on s'est rencontrés plusieurs fois et toujours on a des problèmes avec la conversation parce que mon anglais, mon allemand, c'est pas assez. Et il a toujours essayé de parler avec moi très doucement et avec beaucoup de patience. Et après 40 années ici à Beauvais, j'ai appris qu'il parle français. Alors, merci Beauvais. Ils vont parler toujours allemand. Ils vont parler allemand et anglais. Aujourd'hui, on t'applaudit. C'est formidable le cinéma qui nous vient de l'Europe centrale. À part dans certaines circonstances où le réalisateur veut réellement mettre la musique en avant. Et c'est des situations qu'on pourrait quasiment qualifier de, je dirais, prépondérance de la musique, dans le sens où certains films ou certaines scènes de films donnent la sensation que la musique raconte l'histoire et non pas les images ou le récit. Alors... les grandes comédiennes françaises, Delphine Serin qui était mon grande amie, avec elle j'ai fait un film, Isabelle Huppert, Marina Vlady, Anna Karina, c'est tous des personnages et tous les gens, François Truffaut et Chabrol, que je connaissais, qui donnait beaucoup de soutien, de soutien moral, c'est important. Oui, pour travailler et pour continuer, pour faire les films. Pour vous encourager à faire des films. Oui. C'était mon métier, comme je le dis, j'ai jamais voulu faire ce métier-là, je l'ai fait par accident et j'ai rencontré mon métier grâce à des rôles historiques quand ce métier-là, qui était pour moi le moyen de gagner ma vie, c'est à croiser les chemins de mes passions, qui étaient l'histoire. Et quand ça s'est interpénétré, là j'ai eu envie d'être acteur. J'appelle Laurent Deutsch. this week reminds us how incredibly important Hungarian cinema has been to world cinema. The cinema of Hollywood would not be the way that it is without the Hungarian contribution, and certainly European cinema has always owed a huge debt to the honesty and the passion of Hungarian cinema. And I think that it honed Istvan into becoming a filmmaker who now voraciously and tenaciously will only make the films he wants to make. And there are not many artists like that left in the world of film. I think the breadth of his films, of his themes, is extraordinary. And as we have the pleasure of being able to watch his whole filmography at the festival, you know, it will be a great lesson and a view into the heart and the soul of Istvan. So it's a great honor. Love is to share, money's for you.